Cela peut impressionner, mais ce geste sauve des vies. L'établissement français du sang de Pau organise toute l'année des collectes itinérantes, comme ici à Ledoche, où une centaine de personnes ont donné leur sang hier. Des habitants du Haut-Béarn pour qui il était naturel de venir. Je suis un habitué, oui, je viens assez régulièrement pour donner mon sang. Oui. Et ça fait. Et pourquoi? Parce que bon, on a toujours besoin de sang, toujours sur la demande, et j'ai la disponibilité, donc je donne le sang. C'est une bonne chose, c'est quelque chose qu'il faut faire, il faut partager. Ça peut aider beaucoup de personnes qui en ont besoin, et personnellement, dans la famille, des personnes ont eu besoin, on a été contents d'en avoir, donc voilà. Une opération organisée par l'Association pour le don du sang bénévole. Une collecte importante car en Nouvelle-Aquitaine, la situation se tend avec l'été. 8000 poches disponibles en ce moment contre 10 000 habituellement. Il y avait eu la journée mondiale le 14 juin, comme tous les ans, qui avait permis de faire un apport conséquent. Et donc au niveau des stocks maintenant, par rapport à l'été, à la période oui, actuelle, bon, forcément on a quelques tensions on va dire, sur certains groupes, tels que le O négatif, le A négatif. Un geste qui ne prend que 45 minutes, entretien avec un médecin et collation compris, car on ne vous laisse pas partir sans vous proposer un petit moment de convivialité après votre bonne action.